la ligne courbe, ok? Donc vous allez me la sauter, je vais au moins deux foulées au milieu, ok? Vous me la sautez une par une et dès qu'il y en a une qui a fini de sauter le deuxième saut, enfin qui a fait sa deuxième foulée entre les deux sauts, l'autre elle peut partir, ok? Mais pour certains chevaux, puisqu'il y en a beaucoup qui vont vite, bah vous faites bien gaffe et vous attendez bien que l'autre elle est finie. Allez, on va commencer par Viking. Allez, c'est parti Viking, on y va. En avant, en avant, en équilibre, en équilibre. Yeah, là là, Viking. Oh. Allez, reprends-le, reprends-le. Allez, on y va. Saute, saute, Viking, saute. Allez. Voilà. Allez, remets-toi debout, là. Te colle pas à son cou parce que t'as failli tomber, hein. Faut pas faire ça, Elsa. Tu vas faire mal au cou de ton cheval. Allez, on enchaîne avec Chouquette. Chouquette, galop. Galop. Allez, bleu. Un peu d'équilibre sur Chouquette. Je sais que c'est la première fois que tu la montes, mais c'est pas une raison pour pas avoir d'équilibre dessus. Hein. Allez, Oasis, vas-y. Bon, Royal, tu vas pas à fond parce que je pense qu'il va taper pendant que tu vas partir au galop, donc fais gaffe, hein. Oui, cette fois, j'essaierai pas de tomber. Parce que quand même, hein, c'est ton cheval, tu devrais le contrôler. Oui, bah oui, mais j'essaye. Hein. Allez, Royal, galop! Non, 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 non. Tu l'empêches de taper, tu l'empêches de taper. Voilà. Et s'il y a des youtubeurs slash qui passent par là, n'hésitez pas à mettre un petit like. Bon, maintenant que vous avez à peu près enchaîné cette ligne courbe, nous allons passer. Je vais vous faire un petit parcours, ok, pour vous entraîner.